masterclass de Costa Gavras. Costa Gavras, c'est un cinéaste qui a beaucoup compté pour moi. Enfin, je fais partie de la génération qui a été un peu élevée avec ses films, ce que je lui ai dit d'ailleurs. C'est très émouvant pour moi de le voir, d'entendre parler. C'est des films que je connais très bien. C'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps. C'est aussi le président de la Cinémathèque française, donc c'est pas n'importe qui. Enfin, on a pu l'entendre parler de manière d'ailleurs très simple, très, très modeste, de son travail, de son parcours. Et je trouve que ce qu'il a dit sur à la fois ce qu'est le cinéma, quand il parlait de lui qui était vraiment l'archétype du cinéaste politique, dire que ce qu'on vient d'abord voir au cinéma, c'est l'émotion et après la réflexion, j'ai trouvé ça très... très touchant, très, très juste aussi. C'est un parcours riche qui est beaucoup engagé pour des valeurs humaines, donc c'est tout à son honneur. Comme je disais, j'en parlais tantôt, il y a un film italien qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés de Ettore Scola, dans lequel il y a un réalisateur phare, Vittorio De Sica, et un jeune passionné de cinéma qui s'appelle Palumbo, et un jour il le rencontre, et là c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est après des années à découvrir son cinéma, à scruter, à analyser la technique, le jeu des comédiens, et à se dire que ce sont chaque film des chefs-d'œuvre, là on rencontre le chef d'orchestre. Moi je suis programmateur d'un cinéma d'art et essai dans la ville de Pau. Et j'ai aussi une association qui s'appelle les Projectivers, qui en fait collectionne le vieux matériel cinéma, c'est-à-dire du matériel un peu vintage. Du coup, j'ai sélectionné des films musicaux, donc c'est des scopitones qui sont les ancêtres du clip en fait. C'est-à-dire en gros, ces films, ils datent des années 60, c'est des pellicules originales qui datent de cette époque-là. Et l'idée, moi, c'est au contraire, plutôt que les garder précieusement comme dans un musée, c'est de les projeter, quitte à les abîmer, c'est-à-dire que je vais projeter une ou deux chanson sur une petite bobine où il y a deux morceaux attachés. Et puis après, je vais enchaîner avec un deuxième projecteur qui va en lancer deux autres. Et puis comme ça, j'alterne, comme un DJ en fait, enchaîner des films de manière assez thématique, quoi.